Très bien, fiston. Tu t'es bien débrouillé. Je vois que tu m'as apporté quelque chose. C'est trop gentil. Ils se débrouillent bien, les gars. Charlie, j'en ai ras-le-bol. Tu veux ta statue? Tu me rends mon fils. Et c'est là toute ta gratitude? Je m'occupe de ton fils comme si c'était le mien. Le bon tonton Charlie. T'en reviens pas, Harry. Je joue plus à tes petits jeux vicieux, Charlie. J'en ai vraiment marre. Qu'il est mal poli. Il a besoin d'une leçon de politesse. On dirait qu'il n'a pas compris la dernière fois. On devrait peut-être le faire réviser. C'est une très bonne idée, Harry. Me cherche pas, Charlie. Du calme, petit. Fais pas l'imbécile. Pense à ce qui pourrait arriver à ton petit Alex. Tu n'es pas en position de faire le malin. Je fais pas le malin, Charlie. Ah! Je vais te défoncer la tronche, Amon! Arrête, Harry! Oh. Il peut encore servir! Ne me touche pas! Dégage de là! Ne me touche pas! Calme-toi, Harry! Lâche-moi! Je vais préparer d'autres réjouissances! Tu calmes! Tu m'entends, fiston? Ce n'est pas tenant, tenant. C'est moi. Et moi seul qui te dirai quand tu laisseras tomber. Et comme je ne peux plus te faire confiance, vu que tu refuses mon amitié, je te colle comme chaperon pour une mission au tribunal. Tu sais, qu'il tienne notre pote Jake. Tu te souviens de Jake? Tu as eu quelques prises de bec avec lui. Là, il sera ravi de te voir, parce que c'est toi qui m'as le fait évader. Bon, ça m'a grouillé d'uniforme. Il y en aura vraiment partout. Des gars à nous vont s'occuper de l'escorte. Toi, tu te charges du fourgon et tu le fais sortir de la route. Hey, Bruce s'occupera du reste. T'as bien compris? Ne me déçois pas, Amon. J'espère qu'Harry t'a bien rappelé les bonnes manières. Putain de manières! Oh. Oh. Liam, mais qu'est-ce que t'as foutu, mec? Tout Chinatown est furax. T'es une catastrophe ambulante, hein. J'ai pas le choix, mec. Ce salaud de Johnson me fait faire ce qu'il veut. Oh. Je trouve ton fils nulle part. Il doit être à l'entrepôt de Charlie, mec. Je sais pas si je dois y aller, mec. Ça m'étonnerait que je puisse approcher. Je suis à cran, Liam. Si j'obéis pas, il meurt. Et si on le retrouve pas, il va faire pas y penser. Écoute, je continue à me rencarder, mais ça se barre dans tous les sens, Marc. Je t'en vaudrais ça, Liam. T'es un pote en or. Ouais, essaie de la jouer profil bas un moment, jusqu'à ce qu'on y voit clair. J'aimerais bien, mec. J'aimerais vraiment. Mais cette ordure de Jolson fait ce qu'il veut de moi. Il me fait courir dans toute la ville. Écoute, appelle-moi si t'apprends quelque chose, ok? Ça roule. On s'en lasserait pas quand même de ces belles répliques là, de, surtout de Highbrook. Les scènes d'action là, c'est magnifique. Hein, toujours hein. Aussi drôle. Allez, bonjour tout le monde, c'est les Tistamen. Salut à tous. Allez, on se retrouve pour la mission 4. De complicité. Hein. Voilà. Et tout de suite, il me saoule en fait, Highbrook. Ouais, ça, c'est un méchant, quoi, il est responsable là. On va faire un duel au cut. Hein. Vas-y. C'est parti. T'es à la pourriture. Est-ce que normalement, est-ce que ça le tue ou pas? Vas-y, essaye, hein. On va le défoncer ce con là. C'est un peu la source de nos emmerdes aussi, quoi. Puis, Johnson a dit qu'il nous le collait pour nous surveiller. Et, au lieu de faire la mission, les mecs s'entretuent. Direct, ça, allez, c'est viens, allez, viens. Viens la pourriture. Viens. Allez. T'as le gros duel. Oh, voilà. Oui, j'ai gagné. On est libre, je prends la voiture. Oh non. Ah, on a fini le jeu, les gars. On voilà. A gagné. C'était on s'est libéré, quoi. C'était un jeu bien sympa, on s'est libéré, hein, oui. Et alors, comment sa mission? Bon, ok, écoute. D'accord. Monte dans cette putain de bagnole. Ok, ok. Allez, c'est parti, on monte dans la grosse voilà, Lexus. Vous avez vu là? Attends, il va conduire, oui. C'est volant droit, je ne connais pas. T'es. Donc c'est vrai, là, on a niqué nos copains, pour faire un résumé, hein, Collins, hein, les Chinois. Et maintenant, on doit aller carrément libérer son fils, hein, il me semble bien. Oui, c'est effectivement son fils, Jake Johnson. Ouais. Donc on doit s'attaquer à la police, quoi, mais ça nous vend au fond du trou. Là, vous avez vu, on a essayé de se rebeller.
Il craint un coup de bouteille par le barman. Quoi, le barman peut être un traître, attention, très important. Attends, c'est le bar de. Ouais, c'est le bar Charles, de. Donc s'en fout un peu, quoi. Toujours en roule sur le trottoir, toujours, hein, faut pas oublier. Ouais. Une grosse voiture, ça c'est vraiment un tank par contre, ça. Là c'est le. Qu'on avait prise, hein. Ouais, tout à l'heure. Pour s'échapper tout à l'heure, mais finalement on avait quand même pris l'espace. Ouais, parce que. La bétaillère est immortelle. Ouais. Renault for the win, quoi. Attention là. Donc, quatrième mission. Nouveau style, on va dire, parce que voilà, ouais. Maintenant il faut s'attaquer au flic, comme tu l'as dit. Un flic qui est en train de faire le transfert de prisonniers. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sympa. Oh putain, merde. Ah non, c'est bon. Oh, putain, parce que j'avais écrasé. Oui, j'ai écrasé, il y avait des coffres de côté. Ouais. C'est oh, oh, c'est pas moi, c'est bon. Il s'est barré sous la voiture, Underworld un petit peu. Allez. Bon, c'est tout droit pour l'instant. Attention là. Putain. Oui, le taxi n'avait pas la licence. Hein. Ouais, ouais, bah, il l'a plus maintenant, de toute façon. C'est plus un problème, attention là. Attends, on conduit tout le temps contre le sens. À droite, on conduit nous. Ah, mais c'est chaud, j'ai des amis qui étaient allés à Londres. Je sais pas, vous nous direz dans les commentaires si ça vous a fait pareil. Les premiers passages piétons qu'ils ont pris, ils ont regardé du mauvais côté en fait. Et ils ont manqué de peu de se faire écraser. Ah, certains sont morts, hein. Attention là. Ouais, alors, donc. À droite, je crois. Ça fait toujours plaisir quand même ce jeu, moi. Ouais. On est qu'à la 4ème mission sur 24, mais voilà quoi, c'est que du bon. C'est vrai, c'est toujours agréable. Hein. T'as Highbrow qui me parle tout à l'heure, mais je n'ai rien à foutre. Hop à gauche là. Non, mais c'est vraiment sympa, il y a cette variété, il y a cette ambiance, cette immersion totale. On espère quand même que ça vous plaît. Enfin, nous, attends, ça nous plaît, c'est lui. Ouais, c'est lui, il faut le péter là. Donc en fait, le bourbon. Soit on saute un petit peu pour que vous dégustez un petit peu les flics. Hein. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'il y a des collègues aussi qui m'aident. Putain, il y a le commissariat à droite, je m'en rappelle là. Mais on ira plus tard. C'est la City. Vas-y, vite, avance. Donc on s'était un petit peu là, non, non toi, tu l'as mis quelques coups, okay, parce qu'il faut 5 ou 6 coups, je crois, au moins. C'est pour ça qu'on a une grosse voiture. Ah oui, voilà, il y a des 4x4 qui sont en train de toucher le bordel. C'est absolument énorme. Il y a des petits coups, des gros coups, ça dépend. Le but, c'est comme un peu à Driver ou GTA, c'est tu le colles sur le côté comme ça. GTA à la roue, l'arrière, là. Ça va lui faire des dégâts. Ça marche plus ou moins, normalement, ça marche. Attention, le taxi, c'est bon. Toi, elle est quasiment indestructible, je crois, ta voiture. C'est réglé comme ça, là. Oh putain, taxi. Ici, elle est destructible, je crois, non? Pas trop, hein. Ouais, c'est clair. Elle fumerait déjà en fait, ils ont réglé pour qu'elle était quasiment incassable. Allez, dégage-toi. Le coffre me dirait de. Il fait pas partie de l'escorte en fait, donc voilà. Attention. Bon, on écoute, je pense, pour la fin. Même si c'est pas encore la fin. Moi, parce qu'il faut qu'il fume. Hein. Ouais, il faut qu'il fume. Putain, mais casse-toi là, c'est une saxo, je crois. Tu viens de la laver, mais c'est pas grave, tire à la relaver. Hein. Je pense que c'est tire à la réparer, quoi. C'est plus qu'un lavage qu'il faut, attention, l'esquive, contre-esquive. Oh main, non. Non, mais même pas, je crois. Je sais pas, ah non, c'est vraiment tu prends. Peut-être, donc en tout cas, vu ce que ça a fait, oui. Alors, voilà, pas perdu, c'est un gros camion tout le temps. C'est lui, là, c'est lui. Ouais, c'est bon. C'est lui. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'elle a la voiture? Tu fais L1 100%. Non, je fais même pas L1 là. Ah ouais? Ah ouais, deux fois. Allez, poussez-vous. Vous pouvez attendre que les textures chargent, hein, ne chargeront pas. Ne chargeront pas, non. Parce que c'est vrai que, voilà, on est en 2011, le jeu en 2002, les textures Play 2 peuvent faire vomir des Rolandes, carrément, on comprend. Mais bon, il y avait un aperçu général plutôt joli, donc c'est pas le taxi qu'il faut arrêter. Non, mais il est chaud parce qu'en fait il voulait du pourboire, il les aura pas. Donc ouais, une petite mission tranquille pour l'instant, vraiment. Oui. On prend notre temps, on discute, voilà, on fait des live commentaries. Dans sa vie, un double commentary, c'est un double commentary, dual commentary, putain, voilà, putain, il fume, c'est. On nous a là pour poser plein, mais c'était trop drôle. Il y a même un gentil abonné, on le chambre pas, hein, mais il nous a demandé si on allait racheter Black Ops. Ouais. On a dit non. Après, la bac, oui. Moi j'ai dit non tant qu'il est aussi mauvais. Donc, voilà. Bon, et si ça m'éjure. Parce que c'est vrai qu'on s'était. Faut avouer, on s'était bien amusé. Avec vous en weekly, on s'était bien amusé, hein, quand on avait fait des. Nocturne. Des noscopes, j'ai raté des. Oui, Nocturne avait mis tour de bateau avec Caillou. Voilà. Attention, voilà, ça va être la fin, je crois. Là, je crois que c'est la fin. Dernier coup. On a perdu. Bah non, c'est que vous êtes mort. Allez, il fume noir. Donc ouais, là aussi, bon, contrairement à GTA, quand il fume, il brûle, il ne pète pas par contre. Hein. Ouais, ça pète ça pas. Brûle. Ça brûle. Ça se carbonise, juste. Hein, c'est bien pas mal. Bon, elle aurait peut-être pu péter aussi, mais bon, ils ont décidé de faire comme ça, c'est pas... Il y a déjà quelques explosions aussi, hein. Ouais. Elle brûle aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attention. Attention. C'est les répliques plus, hein, même... Ah non, je viens de la connard, sans interdit, t'as pas eu le panneau, là. Sans interdit, t'as pas eu le panneau, quand même, ça, c'est énorme. Ah. C'est bientôt la fin, je crois. Ah, c'est la fin. Bon, on va se taire. Après le chargement. Ouais, mais c'est bon, on va se taire. Ah.
des renforts, vite! Appelez les renforts! Laissez-vous, appelez des renforts! C'est trop facile. Hey, chope Jack et on se tire d'ici, ok? Hey, salut, bro! Jack! Hey, Rose! On dirait que tu t'amuses bien ici, mon pote! Jack, content de te voir, mec. Je ris tellement que je peux plus respirer. Hey, mais qu'est-ce que ce connard fout ici? C'est le garçon de course de Charlie. Il fait tout ce que dit le chef, pas vrai, petit? On pourrait peut-être se tirer d'ici avant que tous les flics de Londres rappliquent, non? Il n'a jamais beaucoup eu le sens de l'humour. La bande à Colline, c'est vraiment que des branleurs. Hey, qu'est-ce que tu fais, bro? Je règle juste quelques détails. Dommage que t'aies pas pu t'en sortir, Jack. Ouais, c'est vrai tragédie, mec. On boira un coup à ta santé à l'enterrement. Ah ouais? Passe-moi ça, bro. Si je dois y rester, autant que ce soit un putain de suicide. Ouais, j'adore! Bon, on dégage d'ici ou quoi? T'as un rendez-vous ailleurs ou quoi, man? T'as d'autres grenades, bro? Non, on a acheté ce truc à un truand russe. Les ananas sont durs à trouver, tu sais. Tiens, prends ça. Il reste quelques cartouches dans le chargeur. Je vais devoir faire avec. Hé, taré! Tous les flics de Londres vont être là dans une minute! On peut pas finir plus tard! C'est bon, il a presque fini. Mais grimper dans cette putain de merde! Voilà, ça, le film continue, on va dire. Vraiment tout d'un grand film d'action, là, c'est vraiment énorme quand même. Hein. L'ambiance, vous vous rendez compte, quand même, 2002, des cinématiques avec autant d'action à l'intérieur. C'est une mise en scène digne d'un film. C'est incroyable. Notez qu'on a recruté un nouveau débile. C'est un bon, lui. Hein. Un intello de plus, les gars, je pense. Ah, lui, c'est un bon, lui. Vous avez vu. Ça devrait faire l'affaire. Allez, c'est parti. Il se fait chier à mettre un cadavre et lui, il tire sur le policier sans le tuer, apparemment. Donc, bon, voilà quoi. Ils sont gentils, les flics, ils nous laissent le passage, ils font la circulation, tu sais. C'est pas ce barrage en bois. Ils ont pu se passer en fait, ils sont très très gentils. À gauche, donc faut rentrer, faut le ramener à la maison. Faut rentrer à la maison pour qu'il aille faire la bise à papa, quoi, on va dire. C'est ça. Pour voir s'il y a des cadeaux. Jack Johnson, c'est. Le fils, c'est un gros débile. Un gros débile, là, il a un bon gros con, quoi. Un homme de main, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On va tout faire. Et que vous avez pu voir l'humour anglais, on va dire, dans les dialogues. Ouais. Avec Eyebrow, ils se sont bien trouvés, ces deux c'est cons. Ça. Et c'était quand même assez énorme l'intelligence de faire. Ça marche pas. Le faire genre, il est mort avec un faux cadavre et tout. Ah, c'est sympa. Hein. Genre, Team London, qui a fait le scénario, qui a fait l'histoire, qui a fait le jeu. Hein, il a fait chier et tout. Hein. Voilà, ils ont fait un bon jeu vidéo. Ouais, quoi. Mais c'est ça. Et on le rappelle encore, c'était pas évident de se démarquer de cette empreinte de GTA Like hein, Rockstar a su en 3D hein. A su mettre au goût du jour parce que c'est vrai que les premiers opus hein, sur PlayStation 1 n'étaient pas forcément très convaincants hein, pour la saga GTA finalement parce que c'était vu de dessus hein, le GTA 1 même GTA si 2 il y avait déjà même cette il y avait l'esprit bien sûr mais il manquait la 3D qui a créé tout voilà bien avouer que GTA 1 GTA 2 et GTA London pas extraordinaire non plus. Moi je sais que j'avais joué à l'époque au 1 et au 2, pas à London. Tu t'amuses, mais du coup, tu t'amuses, mais voilà. Tu casse-toi, voilà. Et voilà. C'est... Et en misant sur le scénario et une ambiance de fou, ben, ça marche avec ce jeu. Hein. Et regardez, il se périme pas, parce que même en 2011, là, j'allais dire même en 2002, il sortait en 2002,
on y prend largement grand, un grand plaisir à y jouer à Heroes. C'est vrai que nous, en tout cas moi personnellement, j'y crois encore hein, à The Gateway 3, genre... Shenmue 3 voilà, et tout ça. Non, parce qu'en fait, Tim London, il avait plus ou moins commencé à travailler hein, à l'E3 2005 ouais. Avec des fake trailers et tout ça. Ça me teaser même Sonic, ce qu'il y avait. Sonic. Regardez les roues. Ah non, ça me fait pas trop là. C'est moi que les Laguna, les roues, limite elles veulent toucher le sol, mais vous, c'est des roues d'un mètre et tout. C'est des petits bugs graphiques sympas dans le jeu. Et moi j'y crois encore. Voilà, ils avaient fait iPad, ils avaient fait travailler pour le Move et tout, un peu ouais. London, Tim London, Team Soul là. Et du coup, ils avaient fait quoi comme jeu aussi. Bon bref, ils avaient 2-3 projets comme ça que Sony leur... Sur PSP, ils avaient fait un sort de The Gateway avec Gangs of London un peu. Ouais, c'est ça. Ça ressemblait un peu aussi. Et il avait été suspendu ou annulé en même temps que 8 Days. Hein. Ça, 8 Days, ouais, c'est ça. 8 Days, ouais. Avec le trailer là, dans le camion, la station service là, dans le centre du désert, c'était assez énorme. Ça. Ouais, c'est un peu les ovnis. Ouais, les jeux qui sont jamais sortis. C'est comme là, on regardait ça l'autre jour, là, Killing Day, c'est le magnifique hors des trailers. Ouais. Trailer date de 2005, la date de release to be announced. Bon, on a 6 ans, on y croit encore, les gars. Nous, on attend toujours. Donc ouais, nous, en tout cas, moi personnellement, Kevin croit son Shenmue 3, moi je crois à mon The Gateway 3, j'y crois. On veut y croire, quoi. Ça serait vraiment énorme quand même. On voit les capacités d'un next gen, là on voit déjà le skin. Imaginez voilà, ça avec des textures plus lichées, quoi, genre c'est HD, ça. Quoi, une résolution ouais. Pas en full HD, mais bon, 720p ça suffit là. Il faudrait pas qu'il baisse le scénario, la durée de vie, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Hop. Ouais, qu'on passe des FF ouverts, hein. Et des FF couloir, très couloirs de merde. Attention, bon, à droite, toujours. Hop. Donc voilà, on vous l'a dit, hein, c'est un Wolfou by Cheatament, c'est-à-dire qu'on continue tout le temps à parler, on parle pas tout le temps, on commente pas. On fait pas du commentary sur l'émission, on commente ce qu'on ressent. On dit, voilà, ouais. Non, mais oui, enfin, sur l'émission, là, elle était variée, elle est différente, en gros, on va pas non plus vous décrire. Alors voilà, là, j'ai mis 8 coups sur le côté du camion pour le faire tomber et réussir la mission. Maintenant, je rentre au dépôt. Afin que Jake soit content, et voilà, la voiture commence à être défoncée, faut traverser, parce que l'entrepôt est en face. Oui, tout le temps. C'est le même entrepôt, je pense, que la dernière fois. Hein. Ouais. On y retourne, donc la timing est toujours grise, hein, elle est toujours grise ici, là. Oui, parce qu'après, c'est la prochaine mission, c'est une de mes préférées. Ah, génial, c'est là, vous allez voir. Hein. Rien que le titre, déjà, t'as compris, quoi. C'est ça, et magnifique, hein. Attention à... Et voilà, donc dégâts physiques hein, en temps réel. Sur les roues, c'est ça, c'est ta chance, voilà. La direction, là. À gauche. Putain, on l'a raté! On va aller retirer à la HSBC. Hop! Ah, Stu, c'était un des premiers GTA Like, on va dire. Ouais, mettre des licences partout, quoi. C'est ça. Les magasins. Il y en avait beaucoup non plus, mais qui mettent des licences partout, quoi. Sur les voitures surtout. Hop! Moi, ce que j'aimais beaucoup vraiment, c'est, on le dit, on le répète, mais vraiment le scénario et la mise en scène, l'ambiance, quoi. C'était vraiment très adulte, très sérieux. La mafia de Londres, pourtant, j'étais au primaire quand on l'avait fait le jeu, mais bon. Là. C'est là. Et là, voilà, les portes sont ouvertes. Bon, mais on va se taire maintenant, hein, sauvegarder. Ah, mais c'est même fini, ouais. Ah, mais c'est fini, y'a pas de sauvegarde. Oui, de cinématique. Donc voilà, mission voilà, entre 15-20 minutes. Hein, toujours pareil. Ce qu'on vous a dit. Mais normalement, la façon, l'échelonnage hein, où on poste les vidéos vous permettra quand même ça vous permettra de suivre, hein. Régulièrement l'histoire. C'est ça. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette quatrième mission. On fait une coupure et on continue. Hein. On continue, ce sera quelques jours pour vous. Voilà, ce sera assez rapide. Voilà, merci, allez, au revoir. Au revoir. That I need, oh, is the one.